Je te dis, attendez, c'est quoi ça le jeu? Je pense qu'un immigrant qualifié qui habite à Laval va trouver sa job à Laval et vice versa selon moi. C'est une logique qui est très, très, très locale. Okay, well, hello everyone, and welcome to Concordia University's Fourth Space. Thank you for joining us for today's panel discussion, How is Concordia preparing its students to improve the Quebec economy? To help situate you, we are streaming to YouTube live from Fourth Space, which is located on unceded Indigenous lands in Jajage, Montreal. At Fourth Space, we work with our university community to mobilize knowledge by co-creating daily activities to examine research questions and projects in development here at the university. We are running this event as a live stream meeting, so we welcome your comments and questions with a raised hand or via the chat if you're joining by Zoom. For those of you in the space, if you'd like to participate, please just let us know by raising a hand and we'll be sure to get a microphone to you. It is now my pleasure to hand it over to Concordia University President and your moderator today, Graham Carr. Merci et bonjour, bienvenue à notre troisième panel sur l'apprentissage expérientiel. I'd like to begin though by acknowledging that Concordia University is located on unceded Indigenous lands. Nous reconnaissons la nation Ganagahage comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et Jajage ou Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreux peuples des Premières Nations et aujourd'hui une population très diversifiée, une population autochtone diversifiée aussi, ainsi que d'autres peuples y résidents. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et d'autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, commençons avec une étude qui a été faite en 2016, puis mise en jour en 2022 avec le Chambre de commerce de Montréal métropolitain, puis l'Université de Montréal, McGill et Concordia. Selon ce rapport, les universités ont fait augmenter le produit intérieur brut de plus de 26 milliards de dollars entre 2019 et 2020. Universités sont des acteurs clés dans notre économie et société de Grand Montréal, du point de vue de recherche, développement. Montréal reste encore la ville la plus importante au travers du Canada pour recherche et développement universitaire. C'est évident que l'enseignement supérieur, c'est un moteur de croissance, de la prospérité, de la compétitivité dans l'économie. There's a lot of talk, of course, in Montreal and Quebec about the pénurie de main d'œuvre, about the need to attract and retain qualified workers, to drive innovation, de faire des efforts pour aider des étudiants de rester ici, de travailler ici, et aussi d'augmenter la collaboration entre les entreprises, le secteur public, puis le domaine universitaire. Je pense que tout le monde reconnaît que l'économie de l'avenir sera surtout une économie de savoir. Et à Montréal, on a un grand avantage, c'est vraiment une ville universitaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour prendre avantage de ça? Alors, ça, c'est un peu le contexte pour ce panel aujourd'hui. Sauf que je dois juste vendre la salade un petit peu en disant que au mois d'août 2022, on a fait l'annonce à Concordia que dès cette année, chaque étudiant au niveau de baccalauréat dans n'importe quel programme aura la possibilité de faire un stage d'apprentissage expérientiel comme partie de leur programme académique. C'est une promesse qu'on a fait
qu'on va effectuer en partenariat avec avec les secteurs privés, avec avec les secteurs publics, etc. Et notre ambition, c'est de donner deux de ces expériences d'apprentissage expérientiel à chaque de nos étudiants en 2024-25, le cinquième anniversaire de l'Université Concordia. So for us, experiential learning is really a priority at the university. On veut que ça nous distingue par rapport à quelques autres universités. Mais aujourd'hui, nous voulons examiner plusieurs questions. Comment les universités comme le nôtre peut contribuer à rehausser l'économie québécoise? Comment l'apprentissage expérientiel permet-il de combler l'écart entre la théorie et la pratique afin de former des étudiants comme leaders, comme travailleurs pour la société et l'économie à venir? Et comment les universités comme le nôtre continue d'intégrer les compétences et l'acquisition des savoirs par l'expérience, tout en étant la solution pour les carrières qui profitent à l'avenir de Montréal, à l'avenir du Québec. Alors, afin de poursuivre cette discussion importante, je suis très heureux de vous présenter nos panélistes aujourd'hui. Sophia Benacur, chef de l'exploitation et responsable régional chez Morgan Stanley. Michel Leblanc, grand ami de Concordia et de l'Université montréalaise, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Suzanne Griffith, Director of Talent Acquisition at CBC Radio Canada. Et Jean Lortie, président par intérim de la Commission des partenaires du marché du travail. Alors, merci de votre présence parmi nous à Concordia aujourd'hui. Et la discussion qui se déroule will be bilingual, so people will answer and speak in the language of their choice. Il y a plusieurs enjeux qu'on veut soulever aujourd'hui, mais je vais commencer avec le lien entre le milieu université et l'importance de recherche et développement dans notre société. Et je veux cibler en particulier les actions dans le domaine de durabilité. We all recognize that climate change, changement climatique, c'est probablement le plus grand enjeu face à face à notre ville, à notre planète. And earlier in April, actually, at an event organized by the Chambre de commerce de Montréal métropolitain, Concordia announced a bold initiative called Planet Zero, which aims to reach carbon neutrality on our two campuses, 80 buildings on both campuses by d'ici 2040. An important feature of that ambition is to transform our campuses into living labs. Des boîtes à sable, non seulement pour nos étudiants, nos chercheurs, mais d'inviter les gens qui viennent de là. Des industries, d'entreprises, des secteurs financiers, de se joindre à nous pour trouver les solutions innovantes pour réussir à achever le carbone neutralité. We also learned at the end of April that together with McGill University and Université de Montréal, Concordia a été une des 11 universités au travers le Canada à laquelle a été octroyé un financement pendant 7 années du projet Apogée du gouvernement fédéral. Et ça, c'est lié avec les priorités économiques, sociales du fédéral. Dans notre cas, on a reçu 123 millions de dollars pour un projet sur l'électrification de la société. Alors, all of this is to say that for us, the green transition, the green economy transition is very important.
tous ces projets qu'on envisage seront en forte collaboration avec des secteurs industriels, financiers, etc. Et l'objectif d'une partie, c'est de former la prochaine génération de talents, mais aussi de créer de nouveaux emplois dans un secteur primordial pour la ville. Alors, je vais poser la première question à Michel puis à Jean. Et à Jean, pourriez-vous identifier les domaines dans ce virage vert où les besoins sont les plus importants, où la recherche et le développement en partenariat avec l'industrie aura le plus grand impact sur la création d'emplois et sur l'apprentissage expérientiel? Alors, à vous. Bon, pour moi, il y a deux domaines. Le premier est une évidence et c'est ce que Concordia veut faire, c'est-à-dire de prendre des entreprises complexes, une organisation complexe, une université en est une, avec différents types de bâtiments, différents types d'utilisation des bâtiments, des localisations urbaines, et d'en faire un lieu de recherche et de développement sur toutes les angles, toutes les façons d'amener ce virage vers cette carboneutralité d'un point de vue d'une organisation grande et complexe avec beaucoup de leçons. Une fois que j'ai dit ça, pour moi, ce qui est le plus urgent, c'est pas ça. Ce qui est le plus urgent au sens d'immédiat, c'est que dans des milieux urbains, les entreprises, les moyennes, les petites, parfois les grandes, finalement, on leur lance un message qu'on va faire de la R&D parce que c'est complexe, il faut qu'on trouve des solutions qui n'existent pas. Et on défait ce qu'on veut faire, qui est d'amorcer tout de suite des gestes concrets par des entreprises. Donc, il faut qu'on s'éloigne un peu de ce message-là qu'on va faire de la recherche et développement et qu'on ait toute une partie de notre effort qui est dans identifier les solutions simples, immédiates, applicables. Et là, s'il y a une chose que les universités doivent faire, c'est former des gens qui vont travailler en entreprise, qui vont rassurer l'organisation qu'on peut réussir puis qu'on va le faire. C'est de la PME qui a besoin à l'interne d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre ce chantier-là et de le faire avancer concrètement. Alors, il y a comme deux défis. Il y en a un qui est, oui, la connaissance, oui, les meilleures pratiques pour les organisations complexes, mais il y a un autre défi qui est plus immédiat parce qu'on doit commencer maintenant. Et c'est comment je rassure avec des solutions concrètes et immédiates toutes ces entreprises qui doivent agir maintenant. C'est, d'après moi, les deux grands enjeux. C'est un projet d'accompagnement. Effectivement. L'accompagnement, c'est clair que c'est l'accompagnement et c'est maintenant que ça se passe dans les prochaines années. Et il faut penser petit. On pense souvent à la grande entreprise. Elle a des moyens, la grande entreprise. Elle a des ressources internes. Ouais. Elle va dans des conférences à l'extérieur. La petite entreprise, la moyenne, elle lutte au quotidien sur tout ce qu'elle a besoin. Recherche de main d'œuvre, chaîne d'approvisionnement, faire face à l'inflation, les taux d'intérêt. Et là, on y rajoute un défi fondamental où elle doit agir rapidement. C'est là qu'est le défi de l'accompagnement. Ouais. Merci, Michel. Jean? Bien, un des enjeux importants actuellement au Québec, c'est la faiblesse de littératie numérique et numératie des travailleuses, des travailleurs et des entreprises, des gestionnaires. Il y a des enjeux de taille. Donc, il y a un blocage. C'est sûr qu'il y a un goulot d'étranglement sur toutes les questions de transition verte pour la prochaine décennie. Donc, atteindre la carboneutralité vers 2050, mais certainement les moteurs électriques et les moteurs à gaz et diesel qui seront éliminés. Je donne un exemple très concret, très frappant. Il y a 15 000 mécaniciens de voitures, de camions lourds, de camions de toutes sortes qui sont sur le gaz et sur le diesel et qui seront des réfugiés climatiques parce qu'ils ne pourront pas s'adapter à des nouveaux moteurs, à l'électrification des transports. Donc, comment accompagner les petites entreprises pour s'assurer que leur main-d'œuvre soit formées, compétentes. Donc, les universités ont un rôle important d'accompagnement, ce que M. Leblanc vient de dire, l'accompagnement. Le Québec est une économie de PME, beaucoup de petites entreprises, 80-quelques pourcents, peu de main-d'œuvre formée, 58% des Québécois, ont des enjeux de littératie de base. Donc, on a un défi de taille avant de penser la grandeur d'une transition verte. Il faut concrètement que l'intendance suive et elle ne le suit pas actuellement. Donc, recherche et développement important, mais je mentionnerai aussi que l'absence de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre,
La rareté de main-d'œuvre fait que toutes les entreprises, toutes les organisations sont sur un fil tendu. Ouais. Donc, il faut améliorer la productivité et qui va améliorer aussi les enjeux de transition verte. Donc, le défi de taille pour les former des gestionnaires d'abord pour qu'ils percolent sur leur main-d'œuvre, former la main-d'œuvre. Et évidemment, c'est les petites entreprises qu'il faut accompagner. Les grandes entreprises ont des bureaux de coordination de la formation, de transition verte. Ils ont le message, leur stratégie est bâtie, mais au Québec, ce n'est pas ça. Donc, on a un défi de taille d'être capable, grâce au soutien des institutions publiques d'enseignement que l'État québécois finance par les impôts des contribuables, les institutions collégiales, secondaires, un saut qualitatif important de formation et on n'a que 10 ans devant nous. L'échéance est très, très court et il faut le relever, ce défi-là. Donc, il faut penser recherche et développement, mais il faut penser surtout concrètement sur le terrain comment cela va s'appliquer. Alors, il est là le défi, notamment pour la Commission, nous, c'est d'être capable de mettre sur pied des programmes et d'accompagner les petites et les moyennes entreprises et leur main-d'œuvre pour faire pour relever le défi de cette transition. Oui, alors ça veut dire qu'il y a des pas préliminaires qu'on doit prendre avant d'arriver à l'objectif. Et peut-être dans ce même sens, the second question I want to raise is around gaps. So, in a way, we're talking about gaps qui existent déjà dans notre économie et c'est tous les jours qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre au travers du Québec. And one of the questions that we need to ask as universities, as actors in other parts of society is, what do we need to do? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer que nos programmes académiques, que les formations que nous donnons aux étudiants, c'est applicable aux besoins de la société de l'avenir? We can't fill all of these gaps ourselves. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, les pénuries de main-d'œuvre au Québec ont coûté aux entreprises près de 11 milliards de dollars en 2022. Il ne manque pas des étudiants qualifiés et motivés et de nouveaux diplômés prêts à apporter leur talent au marché du travail, mais le défi consiste de les mettre en contact avec les employeurs. How do we do better in making that arrimage, that connection between the students who are graduating and the needs of the employer sector? So, Suzanne, I want to begin with you. And CBC Radio Canada is often identified as a top employer. Félicitations for that. It certainly does well in terms of recruiting the next generation into the workforce. There's no shortage of Concordia graduates from the journalism school working with Radio-Canada and CBC. But what skill gaps are you seeing in candidates for internships and in the early career hires that you're onboarding at CBC? And how can universities work differently to prepare those students? Yes, absolutely. I mean, first of all, I always like to talk about this generation of students as being exceptionally talented when it comes to technology and social media. And with the rapid rise of artificial intelligence and everything that's AI related, I think that's going to be a great strength that they bring to the workplace. They're also going to be able to bring, leading edge knowledge because they would be recent graduates from an academic perspective that's helpful, fresh perspectives as well, and great energy that we sometimes need to inject into the workplace. So this is something that we look at as a positive when we think about new graduates and students. And, as Michel was saying, les solutions n'existent pas aujourd'hui. We don't necessarily know what solutions we're going to have to address. So a skill that would be very helpful is something that helps them with problem solving and critical thinking. Sometimes from an academic perspective, they can learn this, but that sort of on the job training and education helps them from a more pragmatic perspective.
Relationship building is still really important. We're just coming out of the pandemic. We've lived in a virtual world for almost 2-3 years. And as we've returned to the workplace at CBC Radio Canada, we're now working in a dual reality, in person and hybrid. So for students who are used to maybe working in a hybrid model or even a virtual model, how can the universities help them assimilate into those two realities of having to be able to be effective, sort of virtually on camera and in person as well, and not forgetting how important that in-person relationship piece still is even today. So I think that would be helpful. Everything that Concordia is doing, when you talk about experiential learning, co-op, internships, this gives students the practical experience they need. And I know that as employers, we're here with open arms, ready to do our part and to receive them. But I think we really need to continue with those pragmatic, practical solutions as well. I think what makes us a top employer as well is we really think about, you know, what can we do for students and for our employees. Some of the programs that we put in place, we have a very formal program at CBC Radio Canada called Inspire, and it's all about mentorship. So we pair a student with a senior leader in the organization, and it's all about investing in their career growth and their progression in a structured way. So we also have lots of learning programs that are sort of national course offerings at the organization that's open to all employees and anyone who joins us. And it runs the gamut from A to Z in terms of technical skills, academic skills that our employees can participate in. So they're continuously learning on the job, which is very helpful for them also. We have a CAPE program, which is really about helping people with disabilities get a kickstart into the workplace and set them up for success. And it's a 12-week program that we run as well. So I would really say, you know, paying attention to how can they problem solve? How can we help them with critical thinking? Continuing that balance between pragmatic and practical, in person and virtual. The university has a big role there to play as well. You know, with May being Mental Health Month as well, we're very aware of that at CBC Radio Canada, and we've noticed that coming out of the pandemic in particular, we do all need to pay attention to our mental health. So in our workplace, we have programs in place that are helping our employees with their mental health, and I think from a university perspective, whatever you can do to help students in that regard, it would further set them up for success in the workplace, because we know it's going to continue to be an ongoing concern. Thank you, Suzanne. Just listening to you, it's easy to understand why you're ranked as a top employer, because there's that care about the employee, but also the desire to maximize the potential of every employee and get the best from them within the organization. Sophia, au cours des 15 dernières années, le Centre de technologie de Morgan Stanley à Montréal a connu une croissance exponentielle grâce en partie d'un riche bassin de talents provenant des universités. Pour vous, quel impact ont les étudiants sur votre organisation et comment avez-vous été en mesure d'établir des partenariats ainsi que d'attirer les bons profils qui répondent à vos besoins organisationnels? Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à ce panel. Je vous dirais, alors c'est sûr que là, je prends la vue de la grande entreprise, hein, parce que c'est le cas de Morgan Stanley, mais clairement, le recrutement étudiant fait partie de l'ADN de la compagnie. Ça fait 35 ans que Morgan Stanley recrute des stagiaires. Ça fait 15 ans qu'on le fait à Montréal, parce qu'on est en fait nos 15 ans cette année. Et la plupart des dirigeants, notamment au niveau de la technologie, sont des anciens stagiaires eux-mêmes. Donc c'est clairement dans la culture d'entreprise, c'est un élément extrêmement important qui va apporter tout ce que vous disiez tout à l'heure, mais effectivement de l'innovation, la culture de changement, des nouvelles idées. Alors juste pour vous donner des chiffres, hein, puisque en gros bon, on a une structure pour les stagiaires qui est très développée. On a, premièrement, on recrute des stagiaires toute l'année. On a 3 programmes de stagiaires.
On a deux types de programmes. Tout d'abord, des internes qui sont en processus, enfin qui sont en train de compléter leur diplôme, mais aussi un processus de recrutement pour des nouveaux diplômés qui s'appelle des analystes. Donc, en termes de chiffres, rien qu'à Montréal, on a intégré plus de 680 stagiaires sur les 15 dernières années. En 10 ans, en 2013, on avait recruté environ 28 stagiaires. Cette année, on en a 110 qui commencent dans les bureaux de Montréal. Donc, c'est clairement que pour pouvoir mettre ça en place, il faut la structure organisationnelle pour le supporter. On a une équipe de ressources humaines et de recrutement exclusivement dédiée, en fait, aux internes et aux stagiaires. Donc, et bien sûr, cette croissance, là, les chiffres que je vous donne, est alignée avec notre croissance exponentielle à Montréal. Il y a 10 ans, on était environ 500 personnes, on est 2800 aujourd'hui. Donc, bien évidemment, les stagiaires sont un levier pour nous en matière de recrutement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a une équipe de recrutement extrêmement active et de ressources humaines extrêmement actives sur le sujet, qui bien évidemment établit des partenariats avec les universités, mais aussi un de nos gros leviers en fait sont les associations d'étudiants, mais aussi des regroupements tels que Cancer Week, où justement on sponsorise des conférences comme grande entreprise, on envoie des panélistes, on propose du mentorat. Donc les associations d'étudiantes sont un levier énorme pour pouvoir recruter. Donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, avec Concordia, on a établi un programme de mentorat avec l'association des étudiants noirs de Concordia. On a établi des bourses avec Polytechnique et tout un tas d'autres programmes de bourses qui sont effectivement, on va dire, la chance qu'ont les grandes entreprises et les moyens qu'ont les grandes entreprises pour le faire. Comme aussi, on va avoir des étudiants et des internes qui viennent chez nous et qui vont eux-mêmes proposer un projet à leurs universités, notamment le CodeJam à McGill, qui a été sponsorisé par Morgan Stanley au cours des 15 dernières années. Donc, le levier, c'est d'être extrêmement présent sur les campus, de parler beaucoup, bien sûr, aux universités et d'être très connecté avec les étudiants et avec les associations d'étudiants pour pouvoir recruter ce nombre, on va dire, important qu'on a recruté au cours des dernières années. Oui, et alors, si cette année, Morgan Stanley a embauché 110 stationnaires, c'est pas que pour faire le bénévolat que tu fais ça. Alors, c'est quoi l'impact économique? C'est quoi l'avantage pour l'entreprise que vous voyez avec la contribution de ces étudiants? Donc, c'est certain que les stagiaires sont... Vous voulez dire quelque chose, Michel? Ah, pardon. OK. L'impact pour l'économie est majeur. Vous l'aviez dit tout à l'heure, la Chambre de commerce a fait une étude, l'INSEE aussi en France avait fait une étude il y a quelques années qui montrait en fait que les stagiaires que l'on rémunérait en stage entreprise étaient à même d'aller plus loin dans leurs études universitaires et donc de devenir encore plus, on va dire, technique avec des plus de skills. Excusez-moi, je vais faire un peu d'anglais et de français. J'imagine en lien avec l'étude aussi de la Chambre de commerce, mais l'OCDE a indiqué que 50% de sa croissance de PIB était due à la rémunération des étudiants, enfin, après leurs études universitaires. Donc, bien évidemment que l'impact est super important. Ces stagiaires que l'on forme, l'objectif, c'est de les recruter à terme. Ouais. Quand on dit 680 stagiaires, donc sur les 15 dernières années, à peu près la moitié sont devenus des employés à temps plein chez Morgan Stanley. Donc, c'est un investissement que l'on fait pour la compagnie. Donc, vraiment, pour nous, on crée des emplois à haute valeur ajoutée. On est un centre technologique à Montréal, donc forcément, c'est ce que l'on... Et on prépare la relève, parce que finalement, ces jeunes, c'est la future relève de la compagnie. Ouais. Et je pense que ça, c'est la vérité dans plusieurs secteurs. Michel? Je voulais juste réagir parce que, pour moi, on est dans une situation présentement où on a deux champions des meilleures pratiques, c'est-à-dire une université qui déclare « moi, je veux que tous mes étudiants aient la possibilité et dans quelques années, je veux deux, trois stages », puis on a une grande entreprise exemplaire qui, depuis très longtemps,
va vers les jeunes, vers... Et donc, ce modèle-là, moi, je l'aime beaucoup, mais si on est en Allemagne présentement, c'est obligatoire pour tous les jeunes. Alors, j'ai les chiffres ici, j'ai demandé ce matin, 1,6 million d'Allemands présentement dans la tranche d'âge, c'est 1 sur 2, sont en stage, modèle dual, études, stage. Cette année seulement en Allemagne, 470 000 jeunes sont entrés dans ce modèle, donc des jeunes. Là où je veux en venir, c'est que le grand défi, c'est que pour une grande entreprise qui est bien organisée, dans notre société de PME, la PME ne sait pas comment organiser des stages au meilleur de ses besoins et au meilleur de l'apprentissage pour le jeune. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'à partir de votre expérience, puis là, on a possiblement ici l'expert pour essayer de faire ça partout au Québec, mais c'est de faire en sorte que dans tous les domaines qu'un jeune puisse avoir accès à des stages, même obligatoires, pas possible, mais obligatoires, et qu'à l'inverse, toutes les entreprises soient bien équipées pour accueillir ce jeune. Et là, en Allemagne, ce sont les chambres de commerce. Ouais. Qui sont le nœud, qui font en sorte d'aider les petites entreprises à proposer des solutions de stage intéressantes pour qu'éventuellement, parce que j'en conviens, ça vous permet de recruter les meilleurs, mais ça fait en sorte que les petites PME se sentent souvent vulnérabilisées dans ce système où elles ne les voient pas, ne les absorbent pas et ne se préparent pas bien à les accueillir. Donc, il y a probablement un grand chantier avec vos meilleures pratiques. Comment on pourrait faire ça? Pour que toute la société apprentissante au Québec puisse avoir accès à cette expérience terrain. Oui, l'expérience d'Allemagne, c'est vraiment frappant à voir. C'est l'investissement par les chambres de commerce, par les grandes entreprises, etc. C'est naturel maintenant. Jean? Oui, ben, je vais réagir parce qu'au Québec, vous savez, c'est peut-être le secret le mieux gardé. On a adapté le système allemand dual. On appelle ça CUD. Le système courte durée, et ça, c'est pas pour les étudiants, c'est pour les employés des entreprises déjà en place. Faire en sorte qu'ils travaillent, mettons, 3 jours par semaine, et les 2 jours sont en formation collégiale, en DEP, à l'université, dans des micro-certificats. Et, ben, évidemment, un facteur d'attraction et de fidélisation, parce que votre employeur investit, mais vous aussi, comme travailleur ou travailleuse, vous investissez dans la formation. Alors, on a porté le modèle allemand dual, qui est un système qui fonctionne bien en Allemagne, dans le cadre législatif et réglementaire allemand, au Québec, et c'est des centaines de millions de dollars depuis 2015 qu'on a investi dans ce programme-là. Il est tellement populaire qu'encore récemment, le gouvernement provincial a dû donner 100 millions à la commission pour en mettre d'autres sur pied. Donc, je donne un exemple, on a à former 6 000 techniciens en service de garde dans les prochaines années, il faut les trouver. Alors, celles en emploi qui ne sont pas qualifiées, on permet de les libérer de leur travail une partie de la semaine, de se former, de revenir la semaine suivante. Et là, on fait vraiment ce que vous tentez de faire par les programmes de coopération avec les entreprises. Évidemment, ça nécessite énormément de ressources, ça prend une infrastructure. Et c'est ça le drame de l'économie québécoise, c'est que peu d'entreprises disposent d'un bureau du personnel, de coordonnateurs ou coordonnatrices à la formation, et qui ferait en sorte d'accompagner. Alors, il faut relever ce défi-là. Mais je vous dirais que l'enjeu des prochaines années, c'est de donner une expérience de travail à des gens, autant étudiants, universitaires, collégiales, que ceux en entreprise, leur donner le goût. Moi, j'appelle toujours ça informer, connaître le secteur, attirer la main-d'œuvre, la recruter, parce qu'il y a un enjeu, ce que Suzanne mentionnait un peu plus tôt, l'enjeu de les bonnes pratiques. Et on ne dit plus maintenant retenir, parce que retenir, c'est, excusez l'expression très québécoise, attacher après la patte du poil. C'est-à-dire, c'est maintenant fidéliser. Et le drame des entreprises québécoises, c'est que dans les prochaines années, le pacte social qu'elles auront à avoir avec leurs employés, c'est reste 2, 3, 4 ans. Pendant ces 2, 3, 4 ans, on aura une expérience, un pacte mutuel de je contribuerai à ton développement, ta qualification, et de ton côté, tu amèneras évidemment ta productivité ici à l'entreprise. On n'aura plus cette main-d'œuvre de 30-40 ans avec un fonds de pension, etc. Ouais. Donc, il faut réinventer le temps que le jeune travailleur ou étudiant ou étudiante est dans une entreprise, en faire le maximum pour leur développer une compétence, une confiance, un talent, et dire, ben, j'en ferai mon deuil, un autre va arriver qui va être probablement aussi bon ou aussi bonne, et j'aurai à recommencer. Ça va être ça, l'économie. Il n'y a plus de main-d'œuvre, il y en a pas assez. Donc, il faut remplacer par de la technologie. Et là, évidemment, les universités, les centres de recherche doivent contribuer de façon importante à ce levier-là. D'ailleurs, juste un point, vous avez parfaitement raison, on va un petit peu plus loin en ce qui nous concerne, c'est d'aller chercher des collégiens. Donc, on a développé aussi un programme pour les cégeps.
On en a recruté environ une quarantaine, ça fait quelques ans que ça existe, et c'est de leur donner cette expérience professionnelle, des formations diverses et variées, pour leur permettre de continuer aussi leurs études, si bien sûr ils le souhaitent. Mais tout à fait, il faut être présent à tous les niveaux pour pouvoir justement former cette jeunesse. Suzanne, maybe I can just come back to you for a moment. One of the issues that also has to be addressed in terms of mobilizing talent for the future is how we get the best out of a very diverse workforce and diverse student population in terms of being inclusive and trying to find positive ways to bring people into organizations where they may have been underrepresented in previous years. I know this is something that's just very important to CBC Radio Canada, and I was just wondering if you could talk a bit about some of the practices that the broadcaster has put in place to try to advance EDI. Yeah, absolutely, Graham. It is very important, and you know, I guess I first of all start off by looking at where we are here in Quebec. And Quebec aims to welcome around 52,000 immigrants to the province. We also look at where we are in Canada as a whole, as a country, and we know that in the last 150 years, we've welcomed the largest share of immigrants to Canada as well. And as we talk about la pénurie de main d'œuvre and labor shortages, Quebec alone, it's probably higher, but there are at least 20,000 unfilled jobs in our province alone. So we know immigration will continue, and we know that with immigration, this brings diversity. And with diversity, we have to look at ways to help and support inclusion. So at CBC Radio Canada, we do the work. It's something that we're very focused on, and we set targets around diversity and inclusion. So the awareness is important to have that awareness, first of all, in terms of it is something that we want to address and we want to improve. I was looking at some of, you know, just our stats as well. Just from a simple manager to employee relationship, we train what we call workplace culture champions at CBC Radio Canada. And it's really about helping managers understand unconscious bias. And what does that actually mean? And how does that show up for their employee and the uniqueness of each employee as well? So we make sure that we take time to focus on that. We also look at things like accessibility, which is very important. We're about to launch our first accessibility plan at CBC Radio Canada, but we were able to arrive at the plan because we had a vision around accessibility and helping people from some of those disabled groups as well. We also are very focused on the Indigenous community and what is our role in representation from an Indigenous perspective and making sure that we build programs around Indigenous communities as well. The other thing that we're always looking at, you know, we talk about the labor shortage, it is about diversifying our talent pipeline as well. So as we recruit and we invite people to join our organization, we pay attention to diversity and we ask questions around self-identification from the very beginning. And we make sure that we pay attention to how our candidates self-identify with a view and a goal of increasing the diversity in our organization as well. We also look at women and how we're represented from a female population. And one of the things that we're very proud of is that for the fourth straight year in a row, we've achieved gender parity at CBC Radio Canada. And that means that about 49% of our employees are female. And that's a great success because the labor market is only about 41%. So we've been able to achieve gender parity as well. A lot of programs that we put in place. We have a program called Developing Emerging Leaders at CBC Radio Canada. And that is really about looking at people from what's traditionally equity serving underrepresented groups. We have racialized people, Indigenous people, people with disabilities. And it's a 9-month program where we take them through a structured way of increasing their career and developing them and being aware of some of the unconscious biases that we have. So it is about programs and structure as well.
In Radio-Canada in particular, at Radio-Canada, pour la première fois, nous avons un programme d'affinité de la diversité pour nos employés noirs francophones. C'est la première fois qu'on a créé ce groupe d'affinité et ça permet aux membres de créer un lien d'échange qui est valorisant et positif. Avec les membres noirs de Radio-Canada. Ils sont capables de se socialiser et aussi de se développer sur leur plan, sur le plan professionnel à Radio-Canada. But it's the first time that we've done that for our Black French-speaking employees at Radio-Canada as well. So it is about putting that sort of focused and intentional effort around diversity and inclusion, building the programs, but again, bringing into it the practicality and the pragmatism of what's actually needed. And we know that more and more in Canada and in Quebec as well, it is something that we'll have to look at because we do want people to stay in the organizations. We won't find it all from the general population anymore. So we know we do need to focus on immigration, diversity, and the inclusion part as well. You know, j'ai la chance de parler assez souvent avec des diplômés de Concordia qui gèrent des grandes entreprises ou même des petites moyennes entreprises. Et à ce moment-là, il y a vraiment une valeur, selon plusieurs d'eux, de développer des équipes bien diversifiées parce qu'ils sont convaincus que leur entreprise sera capable d'être encore plus innovante, etc., s'ils sont capables d'attirer du talent très diversifié pour l'avenir. Alors, si on parle de la ville de Montréal pour un instant, Montréal est reconnue plein mondial pour plusieurs domaines d'excellence. On parle d'intelligence artificielle, toujours l'industrie aérospatiale, les jeux numériques, les arts numériques, finance, médecine, santé. On sait que il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans ces domaines phares pour notre ville, pour notre société. Alors, Michel et Jean, y a-t-il d'autres tendances dans certains domaines ou industries auxquelles nous devrions réagir en tant qu'établissement, comme université, afin de mieux préparer nos étudiants pour le monde du travail à l'avenir, parce que ça change à haute vitesse. Bien, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut réaliser qu'on est présent dans plusieurs secteurs très, très, très dynamiques. Et quelque part, on ne peut pas être dans tous les secteurs. Ouais. Alors, quand on rajoute l'électrification des transports et la batterie électrique, clairement, là, si on rajoute à tous les domaines dont on vient de parler, à un moment donné, là, la cour est assez pleine. C'est-à-dire qu'autant sur les capitaux qui vont s'investir dans des secteurs que les jeunes qui vont se former, on ne peut pas espérer d'aller dans tous les domaines. Pour moi, ce qui est important, c'est que on a ces secteurs de force. Et en même temps, on a très peu d'entreprises qui sont des vrais champions internationaux. Et un des défis qu'on a, c'est pas d'être présent que dans ces secteurs-là, mais d'en faire une activité commerciale performante qui permet éventuellement d'avoir des grands champions. Je vais donner l'exemple de l'intelligence artificielle, puis ces temps-ci, c'est une marotte dont on parle tous. C'est que on a des cerveaux ici qui sont réputés là, partout sur la planète. Quand je me déplace, on me les nomme, on les connaît. On a des équipes de chercheurs qui sont extrêmement performants, qui sont bien financés, gagnent des concours de bourses ou d'investissements, de subventions nationaux, internationaux. Et je regarde nos entreprises issues du domaine de l'intelligence artificielle et je ne vois pas à ce moment-ci poindre des entreprises qui, de toute évidence, vont gagner la course. Il y en a peut-être, mais c'est difficile à détecter. Et là, je regardais ces temps-ci, là, je reviens sur ce qui est à la mode, ChatGPT, BART.
Moi, ce que je pense, c'est que dans toute organisation, présentement, on doit se poser la question, qu'est-ce que ça représente comme possibilité commerciale et de service? Moi, j'ai testé à la Chambre, j'ai demandé à ChatGPT, écris-moi un discours de 800 mots sur l'importance stratégique d'un aéroport efficace pour une métropole. Le discours qui a été écrit était excellent. J'aurais pu l'utiliser demain matin. J'ai regardé toute mon équipe à la Chambre, j'ai dit, voilà, faut apprendre à travailler avec ChatGPT. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ChatGPT, c'est tout est dans la question. Si tu poses la question intelligemment, tu as une réponse intelligente, mais si tu poses la question d'une façon malhabile, tu vas avoir du n'importe quoi. Et là, je me disais, il y a une entreprise de service à Montréal qui devrait être une entreprise qui dit, moi, je vais vous aider à tirer le maximum. Et là où je vais amener là, la réflexion universitaire, c'est qu'on est dans des nouveaux outils qui touchent même l'apprentissage. Et comment est-ce qu'on en fait une occasion économique? Alors, à l'intérieur de nos secteurs de force, ce que moi j'aimerais voir, c'est non pas est-ce qu'on a besoin de nouveaux secteurs de force, mais comment on en fait une activité commerciale très performante qui va créer des bons emplois ici et qui va enthousiasmer nos jeunes. Le sujet de ChatGPT, c'est très, très compliqué dans le milieu universitaire, mais ce qu'on veut faire, ça va exister. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler avec pour le bénéfice de nos étudiants, nos chercheurs, etc.? Nous sommes un peu dans cette optique. Mon fils, en sixième année de 12 ans, a la permission d'utiliser ChatGPT comme base pour ses travaux. Et je vous le dis, là, c'est foutu. Si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est foutu. Là. À 12 ans, il sait comment utiliser ChatGPT, poser la question, utiliser ce qui ressort il y a 12 ans. Voilà. Jean? Une autre perspective, l'économie québécoise est une économie assez variée et il va y avoir des tensions dans les prochaines années sur plusieurs secteurs. Un, d'abord, le reshoring, alors la réindustrialisation de beaucoup de secteurs, dont le textile à Montréal, le textile technique. Il y a un potentiel incroyable parce qu'on a toujours la rue Chabanel en tête avec les emplois de mauvaise qualité qui y étaient. Au contraire, on développe beaucoup. Donc, pression encore sur la recherche, le développement et sur la main-d'œuvre, la trouver. Un autre secteur, le maritime. J'étais il y a quelques semaines aux Assises maritimes du Québec et il va y avoir un développement colossal entre les Grands Lacs et le Saint-Laurent et les océans à cause de cette réindustrialisation. Bon, les enjeux de sécurité internationale dans le Pacifique Sud, en Europe, de l'Est, l'incertitude provoque un genre de repliement sur nos zones de sécurité qui sont le Saint-Laurent, les Grands Lacs. Donc, beaucoup de recherches vont se faire pour améliorer l'intelligence du transport maritime parce que pénurie de main-d'œuvre, il y a un problème de capitaine de bateau, il n'y en a plus. Les cohortes sont vides. Donc, je pourrais multiplier les exemples comme ça. Dans l'agroalimentaire, on va développer la batterie verte où on veut attirer 8 à 10 000 travailleuses et travailleurs et des entreprises dans la région de Bécancour. Ça draine 4 régions autour, mettant de la pression partout au Québec. Mais ça va être la même chose à Montréal. Donc, on est un peu coincé, l'absence de main-d'œuvre, une croissance économique, des secteurs émergents, ceux que M. Leblanc mentionnait, mais également des secteurs plus traditionnels qui continuent à créer de l'emploi, demandant de la recherche, du développement, attirant des gens dans ces secteurs-là. Et cette équation-là va être difficile. Donc, n'ayant peu ou pas assez de main-d'œuvre, on va devoir inventer de nouvelles façons de faire qui fait que la productivité va être au rendez-vous dans des milieux de travail beaucoup plus agiles, beaucoup plus capables de relever le défi. Mais l'économie québécoise est une économie en croissance avec ses difficultés qu'elle connaît historiquement, dont la présence très surreprésentée de petites et moyennes entreprises et d'une main-d'œuvre peu qualifiée. C'est historique. On doit travailler à corriger ça et c'est le défi qu'on a comme commission à relever pour les prochaines années. Mais retenons qu'il y a d'autres secteurs économiques qui appellent aussi à Montréal, notamment le développement économique et qui vont faire en sorte qu'on va trouver des emplois de bonne qualité, mais pas dans les secteurs jazzés. Ça va être dans d'autres types de secteurs. On va dire du textile à Montréal, oui. Et moi, je dois visiter en quelques semaines une usine de textile qui est hyper performante. On ne peut pas imaginer que c'est ça le Québec du textile. On a juste des images en tête, comme je le disais un peu plus tôt. Mais les pressions sont fortes que tout le monde attire vers son propre secteur et ça coince pour les diffuseurs publics, ça coince pour les institutions financières, ça coince partout parce qu'effectivement, la rareté de main-d'œuvre est vraiment un enjeu de taille. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu ça au Québec.
ce contexte aussi tendu, les enjeux d'immigration, et je ne vais pas sur ce débat-là ce midi, évidemment. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, je n'ai pas le mandat de le faire, mais ça, on a un défi d'intégration. Ouais. Bref, les universités peuvent, et les collèges peuvent jouer un rôle important d'intégration. Il y a ce qu'on appelle le programme Expérience Québec, qui est un beau programme. Bon, il y a des difficultés, on voit dans... j'ai dit qu'on n'allait pas dans ce débat-là, mais il y a des enjeux où l'intégration par le travail permet éventuellement des gens de demeurer sur place. Donc, comment on réconcilie tout ça dans un contexte politique là, qui est le nôtre. Ouais, ouais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une guerre de talents entre les secteurs différents? C'est pas juste une guerre de talents entre les entreprises québécoises versus le reste du monde, mais même entre nous, si je peux le dire. Ouais. Ouais. Guerre de talent, assurément. Guerre aussi de stratégie de communication. Ce que Suzanne mentionnait, comment attirer les gens pour qu'ils aient une expérience « wow » pour quelque temps, leur faire en sorte que s'ils sont là que 3-4 ans, bien, CBC Radio-Canada en aura travaillé 3-4 ans, aura enrichi sa culture institutionnelle et de talent, etc. Donc, on va devoir vivre ça. Et il y a des emplois, ça va devenir très intéressant. Capitaine de vaisseau, c'est pas anodin. Vous partez de Terre-Neuve et vous allez jusqu'à Thunder Bay. C'est une expérience de vie extraordinaire. Et je travaille avec la directrice générale d'un comité sectoriel de main-d'œuvre qui a été capitaine, qui me raconte ça. Je me dis, waouh, pour quelqu'un de plus jeune, ça peut être une vie intéressante pendant quelques années seulement. Après ça, ça va être ailleurs. Et l'attraction va faire en sorte que cette chasse au talent va être encore plus féroce. D'autant plus que si les universités continuent à diplômer des gens talentueux, comme Suzanne le mentionnait, ben, ça va être encore plus féroce. Donc, comment les attirer? Alors là, ça va être le défi des gestionnaires d'être capable d'être le meilleur. Et ça, c'est un gros défi. Alors, Michel, avez-vous un son de cloche de vos partenaires sur ce sujet-là? Bien, c'est clair, quand tu disais tout à l'heure, Graham, est-ce qu'il va y avoir une guerre pour le talent entre les secteurs? Elle existe déjà. Si on prend le secteur de l'aéronautique, ça fait à peu près 10 ans qu'ils ont développé un programme pour aller parler dans les écoles primaires. Des carrières en aéronautique. Bon, c'est une façon de dire, allez pas dans ce secteur-là, venez dans mon secteur, ou allez pas dans celui-là, venez dans le mien. Et là, ben les autres groupes se disent, ben moi aussi, il faut que j'aille parler au niveau primaire. Puis, alors après ça, ça va devenir la question des employeurs. Moi, ce que je pense, puis, c'est que on s'en va vers une discussion où on va arrêter de parler du nombre d'emplois qu'on crée ou du nombre de postes qu'on a, mais davantage du type d'investissement qu'on doit faire pour rendre nos employés encore plus performants. Et j'ai commencé à rencontrer des employeurs qui disent, moi, j'ai investi tant et ça m'a permis d'économiser 128 postes, 32 postes. Et donc là, on est dans rendre la machine ou la compagnie ou l'organisation la plus performante possible avec moins d'individus, mais beaucoup plus d'investissement autour de cet individu pour le rendre très performant. Et j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va comme grande discussion collective. C'est si j'ai du talent, si j'ai une formation, qu'est-ce qui va être autour de moi pour m'aider à l'exprimer le mieux possible, ce talent? Et évidemment, il y aura toutes les conditions autour. Est-ce que mon employeur favorise les apprentissages, l'esprit d'équipe, la tolérance et l'acceptation de tout le monde? Et à employeur égal, sur les valeurs, ça va devenir, est-ce qu'on m'outille bien pour que mon talent s'exprime? Et ça, j'ai l'impression que là, les entreprises qui vont être en retard vont se heurter à un abandon. Les gens vont dire, je m'excuse, je t'aime bien, mais là-bas, regarde tout ce qu'on me donne comme moyen pour que j'exprime mon talent. Et donc, le défi des étudiants va être d'être attentif à ce qu'on leur offre comme outil autour. Ouais. Oui, absolument. C'est absolument. D'abord, la guerre des talents a déjà commencé depuis belle lurette. Et c'est absolument vrai. En fait, c'est la digitalisation accélérée, surtout avec la pandémie, qui a fait qu'on parle de le nombre de gens qu'on recrute. Et c'est effectivement le volume qui a été important. Mais on rentre dans une étape complètement différente. Ça, je suis totalement d'accord. C'est effectivement de la productivité, c'est de l'encadrement, et c'est pas nécessairement la course à l'augmentation du nombre d'employés, mais c'est la qualité des gens qui sont qui restent dans l'entreprise que vous bâtissez. Donc, totalement d'accord avec vous.
Alors, jusqu'à ce moment, on a discuté les défis des entreprises pour le recrutement, etc., et l'importance de l'expérience d'apprentissage pour aider les étudiants à se placer dans ces entreprises. J'ai une autre, il y a une autre dimension de tout ça. C'est pas la question d'apprentissage par stage, mais l'apprentissage par entrepreneuriat. Et à Concordia, comme chez plusieurs universités, on a un incubateur qui s'appelle District 3, D3, qui est un succès énorme pour nous pendant les dernières années. Juste pour partager quelques chiffres, cette année, il y a 260 jeunes pousses qui sont dans notre incubateur. Déjà, ils ont réalisé un financement de 28 millions de dollars, des ventes de plus de 5 millions de dollars comme contribution pour la société, et ils ont embauché presque 450 personnes. Alors ça, c'est un autre genre d'apprentissage qui est très, très important. Et juste pour retourner à la question de EDI, une autre fait marquant chez nous, la plupart des startups ont au moins une femme qui est cofondateur ou une étudiant qui vient d'ailleurs, une étudiant étrangère. Alors c'est un atout, je pense, pour l'université comme point de vue de recrutement. Mais ça démontre une autre façon par laquelle la prochaine génération peut profiter d'un apprentissage et être capable de répondre aux besoins de notre économie et notre société. Alors, Sophie, je veux poser la question à vous parce que Morgan Stanley a récemment lancé The Inclusive Ventures Lab à New York puis à Londres afin d'égaliser les chances des entrepreneurs issus de milieux divers d'obtenir du capital de risque. Première question pour Montréal, est-ce que Morgan Stanley a considéré créer un tel programme ici à Montréal? Pour le moment, non, mais on a quand même Ange Québec, hein, donc tout ça, c'est un petit peu le même principe ici à Montréal. Alors, je dis non et j'espère que ça pourra se développer dans le futur. Comme vous l'avez dit, en fait, la différence, c'est que le Multicultural Lab de Morgan Stanley, c'est vraiment de se focaliser sur des gens issus de, on va dire, de la diversité et qui ne sont pas nécessairement bien représentés. Donc voilà, la réponse c'est non pour le moment, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais avec l'expérience que Morgan Stanley a vécue à New York et à Londres, comment pensez-vous que les universités pourraient mieux préparer les entrepreneurs de demain à réussir? On a des très bonnes écoles de gestion à travers la ville, à HEC, à McGill, UQAM, nous autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider les étudiants, pour nourrir leur sens de l'entrepreneuriat? En fait, il y a toute une série d'éléments qui ont déjà été discutés ici. L'entrepreneuriat, en fait, c'est relativement, enfin simple, non, c'est pas simple, mais ça nécessite certaines compétences qui sont pas nécessairement celles qu'on apprend à l'université, mais ça va être la prise de risque, la gestion du temps, la capacité de développer un réseau, tout en fait une approche que justement fait ce Multicultural Inclusive Lab. Il ne permet pas seulement d'obtenir du financement, mais il fournit des formations marketing et vente comme le font les grandes écoles. Mais après, c'est surtout le développement d'un réseau et le développement des soft skills que je pense manque beaucoup. Je vois que nous, on le fait énormément, notamment avec nos internes, donc vraiment la capacité de communiquer, la capacité
de se présenter, de parler simplement de sujets relativement complexes, mais qui doivent être compris par tout le monde. Donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment de s'axer sur la simplicité et la pragmaticité. Je pense qu'un d'entre vous l'avait dit, il faut être pragmatique dans l'approche, que l'on soit entrepreneur ou autre. Et c'est peut-être ce qui manque chez nos jeunes étudiants aujourd'hui et ce qu'on essaye de leur apporter en plus. Donc, voilà, je pense que... Et on est tout à fait... Alors, pour le coup, je suis persuadée qu'on peut tout à fait développer des partenariats, et puis je parle de Morgan Stanley, mais comme n'importe quelle entreprise, avec des grandes des universités telles que Concordia, pour aider. Il faut mettre les étudiants dans des cas pratiques, il faut leur donner vraiment cette, ce sens de la réalité en dehors de la théorie. Merci. Alors, Jean, je comprends bien que vous, peut-être tout le monde ne veut pas aller dans le discours politique sur l'immigration, mais c'est un fait que l'attractivité de Montréal pour les étudiants étrangers, c'est une des forces de la ville de Montréal par rapport à d'autres villes au travers du Canada et d'ailleurs. Alors, la question, et c'est un peu pour toi, pour Michel, pour tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire de réussir plus ensemble les universités, les programmes gouvernementaux, les besoins des entreprises, etc., pour s'assurer qu'il y ait un arrimage entre nos forces qui existent ici, les atouts de Montréal, puis les besoins de notre économie, notre société, parce qu'il y a un travail à faire ensemble. Je pense que c'est la Banque royale du Canada a fait un rapport avec des recommandations sur l'importance de que chaque province au travers le Canada développe un programme de financement pour mieux soutenir les établissements postsecondaires, mais aussi on a le rapport à laquelle j'ai fait référence au début du Chambre de commerce de Montréal métropolitaine sur l'importance pour notre économie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler mieux ensemble pour s'assurer que tous les avantages que Montréal, que le Québec a maintenant peut nous aider d'aller plus loin, plus vite? Bien, certainement une plus grande agilité dans la préparation des programmes universitaires ou collégiaux, parce que je parle des deux toujours, compte tenu de la formation technique qui relève du système collégial au Québec, principalement. Une plus grande agilité. Il y a quelques années, vous allez faire rire, mais il y a quelques années, ça prenait 8 ans à transformer un programme existant dans le milieu de l'enseignement, 8 ans à mettre à jour un programme. Mais on peut plus vivre ça. Maintenant, ça ne me surprend pas trop. Maintenant, non. Alors maintenant, on est à 18 mois, mais c'est encore trop long. Il faut développer, les institutions d'enseignement doivent développer une meilleure coordination et être plus agiles sur la mise à jour des programmes avec les technologies. Tout va tellement vite. Mm-hmm. L'autre élément, c'est les étudiants étrangers sont une richesse au Québec. D'abord, ils viennent étudier au Québec. Leur donner la capacité, comme vous le faites, un programme coop, aller travailler. Découvrir le milieu de travail, parce que ce que vous disiez un peu plus tôt sur le savoir et le savoir, on a le savoir, pas pire, savoir-être, savoir-faire, et quand ils intègrent les milieux de travail, ils développent cette intégration à la culture des étudiants, les étudier, et surtout, si on peut aussi, là, ce n'est pas montréalais ce que je vais dire là, mais aussi les amener en région pour s'intégrer dans les communautés universitaires, collégiales, régionales, bien, c'est une grande richesse parce qu'évidemment, elles découvrent une société. Mais plus particulièrement pour Montréal, les intégrer au marché du travail, leur faire découvrir ça. Donc, ça nécessite énormément de travail avec les entreprises, les réseaux d'entreprises, pour faire en sorte qu'on puisse les associer et découvrir cette réalité-là tout en étudiant. Le drame actuellement, c'est que la pénurie rentrée de main-d'œuvre est tellement grande que les gens ne finissent pas leurs études. On leur donne un emploi. Oui. J'étais à Québec il y a 2 semaines dans un truc d'une école de technologie et il y avait des start-up qui venaient les recruter puis leur donnaient, le jeune commençait à peine à jouer un clavier, j'exagère à peine, qu'il proposait déjà 90 000 $. Bien évidemment, il ne finira pas ses études. Là. Il va aller travailler puis ça va être... Alors, cette réalité-là du marché du travail qui va nuire aux universités parce que... La tension est tellement importante. Viens, on va te donner la formation et éventuellement, dans 5 ans, tu seras probablement obsolète.
il faudrait que tu retournes sur un banc d'école. Alors là, ça va poser des enjeux importants. Donc, il faut protéger l'étudiant pendant qu'il étudie, mais lui faire connaître un milieu de travail pour assurer qu'à travers nos processus bureaucratiques et d'immigration, il puisse avoir une chance de pouvoir rester au Québec et de travailler dans des conditions, etc. Alors donc, une plus grande agilité des institutions, une meilleure coordination des institutions d'enseignement. Moi, je constate, comme président de la commission, qu'on a un travail à faire au Québec à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, ce marché du travail-là qui a tellement changé, nos programmes publics n'ont pas été bâtis pour ça. Moi, oui. Je rappelle que les programmes publics au Québec ont été bâtis sur la création d'emplois, pratiquement. Et on investissait pour créer des emplois. De nos jours, on peut bien créer des emplois, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de monde. On peut bien bâtir des usines, mais elles vont être vides. Donc, il faut repenser tout le paradigme sur lequel. Donc, ça veut dire aussi pour les institutions d'enseignement, revoir comment on peut accompagner plus durant les années qu'ils étudient l'aide aux entreprises, leur donner une expérience de travail. Moi, je pense qu'on a peut-être une recette de succès de ce côté-là. Merci, Jean. Jean? Oui, moi, je vais faire de la politique. Jean, il ne va pas, mais moi, je vais y aller parce que il y a un éléphant dans la pièce et il faut l'aborder. D'abord, c'est clair, les travaux qu'on a faits le démontrent. Chaque fois que les universités ici vont chercher des talents, des formes, c'est bénéfique pour notre société. Et d'aller chercher des talents partout sur la planète qui viennent à Montréal parce que c'est une ville universitaire de renom, parce que c'est une ville universitaire où c'est pas plate après les cours, pour toutes sortes de bonnes raisons, c'est absolument essentiel. Une fois qu'on a dit ça, et l'éléphant dans la pièce, bien, ça s'appelle le français. Ouais. Et là, moi, voici où je pense qu'on s'en va. Là. Fait que je ne suis pas en train de dire qu'on est rendu, mais je pense qu'on s'y rend doucement pas vite. On a un système qui dit on veut des immigrants, puis on va les prendre, ces immigrants qui arrivent par le système ARIMA, puis on les sélectionne parce qu'il y a des besoins sur le marché du travail, puis on accorde du pointage sur la connaissance de la langue, etc. Puis là, on a fixé ces 50 000. Ensuite, il y a tous nos étudiants et tous nos travailleurs étrangers temporaires. On en a besoin, ils viennent dans les universités. Concordia, McGill, ont un rôle stratégique clé. C'est « je vais les chercher et je suis dans l'excellence universitaire ». La réalité va être, vous voulez rester ici, il faut apprendre le français. C'est ça. Et l'étudiant lui-même qui arrive ici, qui ne sait pas s'il va faire sa vie ici, il ne sait pas si cette société-là l'intéresse, il vient étudier parce que Concordia, c'est une bonne université, parce que Montréal, c'est une ville le fun, et là, il est rendu. Là, à mon avis, la responsabilité des universités, ça va être de parler à ces étudiants-là. Oui. Notre responsabilité, ça va être de leur trouver des emplois. Et la responsabilité, ça va être de leur financer un apprentissage le plus facile et le plus fluide possible, avec une promesse collective qu'on devra leur faire, qu'au bout de quelques années, quand tu as ton diplôme, si tu veux rester et que tu as appris le français, c'est automatique. Il n'y a pas une limite à 50 000 ou à 60 000, on est en pénurie de main-d'œuvre. Vous allez chercher des talents les plus compétents sur la planète, vous les formez, ils sont intégrés et ils apprennent le français. Pour quelle raison au monde on hésiterait à leur ouvrir la porte et à dire merci, reste ici, tu veux rester, tu as appris le français. Alors, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, c'est-à-dire non pas sur les seuils, mais sur le fait qu'on veut des gens qui s'intègrent bien, et un de ces gestes-là de bien s'intégrer, c'est de connaître le français. Sophie? Oui, excusez-moi. Je ne vais pas faire de politique du tout, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que effectivement, d'abord, hein, le pool de talents d'étudiants étrangers, il est effectivement critique. Pour nous, je vous dirais que on recrute énormément d'étudiants étrangers. Et effectivement, l'éléphant dans la pièce, c'est le français. Mais en réalité, pas seulement que le français, mais aussi la résidence permanente et le processus qui s'en vient après, qui est un peu plus long ici, qui malheureusement fait que le français, d'une part, ne leur donne pas nécessairement envie de rester, mais effectivement aussi la résidence permanente. Moi, je vais être très prudent dans le milieu politique, mais moi, je vais dire que c'est clair que les universités comme Concordia doivent faire encore plus pour aider les étudiants étrangers d'apprendre le français, de maîtriser le français. J'espère que la possibilité de faire une stage de travail pendant que tu étudie ici, ça va donner exactement cet goût de travailler dans le milieu québécois.
you know, juste petit élément, le troisième bassin le plus important d'étudiants étrangers à Concordia, c'est les étudiants français. Alors, c'est, même nous sommes capables de les attirer parce que Montréal, c'est une ville avec beaucoup d'attractivité puis des domaines de travail pour l'avenir. Mais c'est clair qu'on doit faire encore plus. Peut-être juste en terminant, je vais poser quelques questions très très ouvertes. If there are employers out there listening, s'il y a des gens qui veulent embaucher une étudiante pour votre entreprise, c'est quoi le message? What's the message you would like to give them about? And I think Sophia, you touched on some of this at the beginning, but what's the message you would like to give them about? C'est quoi le message de l'importance de l'avantage de faire le recrutement des étudiants? So maybe I can start. I would say that first of all, they have to realize that it's a long interview process that they have with the student at their choice, because not only the company that choose the future employee, but also the employee and the student who decide whether or not he will continue with that firm. So it's an advantage. The second advantage is really, of course, what they have to do is really to have also the teams on the ground able to absorb and to train interns, because it takes a bit more time. It's a more dedication. It's really to realize that it's a long-term investment for their firm. So, and then to make sure that you assign them real projects so they feel value, and they can feel value through different mechanisms, but really to be able to support them and to understand that it's a long-term, you know, manpower that they are going to have. Mm-hmm. Merci. Moi, je vais être très, très clair. Si vous êtes un employeur et que vous n'embauchez pas un étudiant qui voudrait travailler chez vous, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Mais en pénurie de main-d'œuvre, vous avez un étudiant qui venait travailler chez vous, c'est probablement un talent à détecter qui peut-être sera l'étudiant travailleur du futur. Par contre, ne le gardez pas si vous le trouvez bon, de façon à ce qu'il ne finisse pas son diplôme. Et c'est ça le deuxième message. Moi, j'ai bien plus l'impression que le message présentement, ce n'est pas à l'employeur de s'ouvrir au talent étudiant, c'est à l'employeur de respecter la démarche de l'étudiant qui doit avoir son diplôme parce que c'est sa carrière qui est en jeu. S'il a une bonne job en commençant sans diplôme, il va être beaucoup plus prisonnier dans ses premières années. Exactement. Parce qu'il n'aura pas ce diplôme. Ouais. Donc, l'employeur, si vous n'êtes pas ouvert, tant pis pour vous. Puis si vous êtes ouvert, résistez à la tentation de le garder puis d'empêcher d'aller chercher son diplôme. Et je peux faire le témoignage qu'il y a beaucoup d'étudiants dans des domaines comme cybersécurité, par exemple, commencent leurs études, mais sont embauchés à gauche, à droite. Alors, oui, c'est un enjeu réel pour nous autres. Suzanne? Je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est clair, c'est un investissement. C'est un investissement, mais c'est très enrichissant. Il y a beaucoup de valeur. Alors, il faut le faire surtout avec le nombre de personnes qui sont prêtes à prendre la retraite maintenant, même pas juste avec la pénurie de main-d'œuvre. Mais je pense qu'on n'a aucun choix. Mais c'est clair, c'est un investissement, mais la valeur est immense. Mm-hmm. Si on embauche mm-hmm. les étudiantes. Mm-hmm. Il faut le faire. Merci, Suzanne. Jean? Si vous l'embauchez pas, l'échéance de la potence va vous rattraper. C'est clairement. C'est pas une dépense, c'est un investissement, comme Suzanne vient de le mentionner. Et aussi, ça va vous donner un apprentissage à la diversité, à la gestion de la diversité, notamment pour les étudiants étrangers. Et ça va vous développer des talents, vous allez apprendre, vous allez mesurer, et ça, c'est une richesse pour votre entreprise. Et comme M. Leblanc disait un peu plus tôt, ne pas le faire, c'est qu'est-ce que vous faites en affaires? Et pour les employés avec lesquels cet étudiant va travailler, cette étudiante va travailler, si elle provient de la diversité, ben ça va aussi développer une culture à l'intérieur de l'entreprise. Tout le monde, alors c'est vraiment un investissement et on n'a pas le choix de le faire. Et on a besoin des universités aussi pour à faire en sorte qu'ils finissent leurs études. Donc, leur donner des conditions facilitantes pour leur permettre de finir leurs études. C'est un pacte
qu'on ne peut pas déroger. Sinon, c'est la catastrophe. On va avoir des gens ici dans 5 ans qui ne pourront pas avoir de carrière et retourner sur les bancs d'école quand vous avez travaillé pendant 5 ans, vous avez gagné votre vie, vous avez acheté une maison, vous avez peut-être élevé une famille, etc. C'est une catastrophe souvent parce que là, dans votre tête, vous êtes parti de l'école. Le retourner sur un banc d'école, c'est un défi. Donc, il faut qu'on fasse ça et que les universités ont un rôle important à bien mesurer en disant la dangerosité d'aller dans tel type d'entreprise parce que vous ne finirez pas vos études. Il faut qu'on travaille mieux ça, mieux coordonner ça entre l'institution et l'entreprise pour réussir, pour que c'est un investissement qu'on fait des prochaines années comme société, avec les fonds publics, etc. Bien, ça permet bien sûr de diplômer les gens, de leur donner une expérience, d'enrichir un milieu de travail et dans une entreprise d'avoir appris à gérer des gens différemment, du savoir-être et du savoir-faire. Ouais, ce sont des bons conseils. Et même à l'intérieur de l'université, on embauche des étudiants dans les programmes co-op, dans notre département de finance, audit, etc. Parce qu'on manque, en partie, c'est parce qu'on manque la capacité, mais une deuxième partie, parce que les étudiants... donnent une valeur ajoutée grâce à leur expérience, grâce à leur l'aise avec la numérique, etc. Alors, c'est important pour nous autres aussi, pas juste de former, mais de les embaucher, les étudiants. Alors, je pense que nous sommes à l'heure et je vais terminer en faire des remerciements à toutes. Tous les membres du panel, Jean, Suzanne, Chelle, Sophia, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup de partager avec nous vos expériences, vos conseils. Merci d'embaucher nos étudiants aussi, je dois le dire, et d'être des ambassadeurs, ambassadrices forts pour Montréal et pour l'importance de l'enseignement supérieur pour Montréal, pour le Québec. Alors, merci à vous tous et toutes. OK, merci à tous pour nous joindre ici, dans l'espace et aussi en ligne. Nous allons fermer le Zoom maintenant. Merci encore pour vos questions et vos contributions. J'espère que vous passez une bonne journée. Merci. Thanks to everyone for joining us in the space and online. We're closing up the Zoom now. I hope you guys all have a wonderful day. Thank you so much. Merci beaucoup.